Good morning. Allez, il y a une chose aujourd'hui. Le Shabbat Chayester, Bat Mira, ainsi que le Shabbat Olivier, c'est le Shabbat Ben Chayester, Shachamshat Mira, Bat Rosena, et Benjamin Ben Chibiva, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, il y a une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechat Héroïne, Perektet, Mishnah Aleph, Kol Gagot Ha'ir Reshut Achat, ou Bilvad Shelo Yehe Gag Gavoa Asara, O Namuch Asara. Divré Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, Kol Echad Vechad Reshut Bifne Atzmo. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot Vechad Chatzerot, Vechad Karvifot, רשות אחת לכולה, לכלים ששבתו לתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. On va commencer à parler dans ce chapitre maintenant de l'interdit de porter sur les toits. On va expliquer très rapidement, c'est un sujet, ça va être beaucoup plus défini que le pérec précédent, je l'ai trouvé spécialement dur pour moi personnellement, même en Gemara c'était pas évident. Ce pérec là, il est plus facilement, on réussit à mieux le définir. C'est pas que c'est forcément évident, mais en tout cas, c'est plus clair. À savoir, à Shabbat, d'abord, vous connaissez bien, il y a le Rishut Hayachid, le Rishut Harabim et des domaines intermédiaires. Le Rishut Hayachid, domaine privé, il doit être défini par défini, délimité par une barrière, ou ça peut même être le fait qu'il soit en hauteur, c'est considéré comme une barrière, qu'il a une largeur de 4 amas sur 4 amas. Le Rishut Harabim, c'est un lieu de public. Et il y a au milieu toutes sortes de domaines un peu intermédiaires, que Chachamim ont fait un décret sur eux. Ces domaines intermédiaires selon la Torah, en théorie, on pourrait porter sans problème du Rishut Hayachid à eux, et de à eux au Rishut Harabim, mais Chachamim ont fait des décrets. À savoir, la fameuse histoire, les Rouvei Chatzerot et tout ça, qui consiste à ne pas se porter d'un domaine privé à un autre domaine privé, d'un domaine privé à un domaine privé qui est partagé avec plus de voisins. Parce que là, ça commence à être apparenté à porter du Rishut Hayachid au Rishut Harabim, et machinalement, si tu vas commencer à porter ici, tu risques demain de sortir sur la voie publique et transgresser l'interdit de la Torah. Du coup, Chachamim, comme tout ce qu'on a parlé longuement pendant tout ma Masechet Eruvin, Chachamim ont fait un décret. À présent, on va découvrir maintenant dans notre Mishnah, on va parler de, je préfère les introduire d'abord, de trois domaines que selon la Torah, ils sont considérés comme des Rishut Hayachid, comme des domaines privés, mais que malgré tout, Chachamim ont fait un décret sur eux. Et la question, elle va être de savoir, est-ce que je peux porter à l'intérieur d'eux-mêmes? Soit, on va parler concrètement, on va commencer à parler du toit. C'est le sujet essentiel du chapitre, on va parler surtout du toit. Mais, à savoir, il y a un toit, voilà. Moi, j'habite au dernier étage, et mon voisin d'à côté, il habite aussi au dernier étage. On est tous les deux, on habite tous les deux, un côté de l'autre. Si vous montez sur notre toit, alors, il y a un toit qui m'appartient et un toit qui lui appartient. Entre eux, les deux, vous n'allez rien voir. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Ça, plusieurs maisons qui se suivent une après l'autre, qui sont une à côté de l'autre en dessous et au-dessus. Alors comment considérer ça? Est-ce qu'on sait considérer un toit pareil comme un seul grand Rishut Hayachid? Ou bien non? Puisque sous les toits, il y a des murs qui séparent les maisons. Donc ça, c'est la maison de Reuven, ça, c'est la maison de Shimon. On ne pourra pas porter du toit d'un toit à l'autre. Même si on ne voit pas de différence, concrètement, il n'y a aucune barrière, aucun signe naturel que ici ça va être le domaine de Reuven, ça va être le domaine de Shimon, mais au contraire, non. On pourrait dire, puisque ce toit-là, il m'appartient, donc ça, c'est ma partie à moi, l'autre, c'est la partie à toi, on ne pourra pas porter du toit. C'est le sujet essentiel de notre Mishnah. Peut-être que d'ailleurs, on ne va pas trop la compliquer pour le moment, et puis on va introduire les choses au fur et à mesure. Comme ça, on peut déjà traduire. Kol Gagot Ha'ir, Rishut Achat, tous les toits de la ville, première ville de la Mishnah, tous les toits de la ville sont considérés comme un seul domaine. Bilvad, Sheloye Gag As Gavo Asara Onamu Hasara, à une seule condition que malgré tout, qu'il n'y ait pas un toit qui soit plus haut que l'autre que de 10 tfachim, ou plus bas de 10 tfachim. Ça va de soi. Divré Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Et je continue à avancer dans la Mishnah, vous n'avez pas forcément compris tous les détails, mais comme ça, on a de quoi plus définir. La Chachamim Omrim, Kol Echad Ve'Echad Rishut Bifnatzmon. Selon Chachamim, non. Chacun, il est défini comme un domaine intermédiaire. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous enseigne, Echad gagot, ve'echad chatzerot, ve'echad karfifot, reshut achat lekelim sheshavtu letochan. Selon Rabbi Shimon, il me dit qu'il s'agisse des toits, ou même des cours, ou même des karfifot, qui sont des enclos fermés, mais qui ne sont pas prévus pour être utilisés pour être habités. Tout ça, ils ont un même statut, les reshut achat. C'est considéré comme un seul grand reshut. Lekelim sheshavtu letochan, pour les objets qui étaient dedans pendant Shabbat, mais pas pour les ustensiles qui étaient dans la maison. On expliquera la suite de la Mishnah. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de, d'abord, on va se concentrer sur les gagotes avant de parler des chatzerot et des karfifot. Pour la mention, les gagotes, on a ici une marloquette très intéressante entre Chachamim, qui est le deuxième avis de la Mishnah,
contre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Que chacun a dit une chose différente, mais qui, par rapport au toit, c'est presque le même principe. À savoir, Rabbi considère, écoute, puisque là, ici, on est sur une surface plate, mais en dessous, c'est le domaine de Reuven, c'est la propriété de Reuven. En dessous, de l'autre côté, c'est la propriété de Shimon. Tu ne pourras pas porter de Reuven jusqu'à Shimon, parce que même si tu ne vois pas la barrière, le mur, le plat, le parterre est plat, malgré tout, c'est des domaines distincts, donc tu n'as pas le droit de porter d'un autre. Ça, c'est la vitre Rachamim qui nous dit « Kol echad v'echad reshut bifnatzmo ». Chacun, c'est un domaine indépendant. Maintenant, on va reprendre en arrière sur Rabbi Meir, qui est aussi Rabbi Shimon avec une petite nuance. Rabbi Meir, lui, va me dire « Non, tu sais quoi, tous les toits, même tous les toits de la ville, ils sont tous considérés comme un seul grand domaine. Soit, puisque le toit, c'est plus une maison habitée, le fait qu'il y ait une propriété différente de Reuven ou de Shimon, on ne la voit pas, c'est le même principe, c'est quelque chose qui n'est pas tellement habité. Pas tellement habitable, pas tellement habité. Donc du coup, on ne va pas considérer que c'est comme un vrai domaine privé. Donc, tu auras le droit de porter d'un toit à l'autre, par exemple, sans aucun problème, d'un toit à l'autre, de chez moi jusqu'à chez le voisin, mais même mieux que ça. Même l'immeuble que j'ai en face de chez moi, là-bas, s'il a la même hauteur, j'ai encore le droit de porter sur lui. Malgré tout, et ça, Rabbi Shimon aussi le pense. Après, on apprendra que Rabbi Shimon, il élargit encore plus la permission. Mais pour le moment, Rabbi Meir te dit, tu sais, tous les toits, en fait, tu peux porter d'un autre, même s'il va y avoir une barrière entre deux, tu pourras quand même porter d'une, même si c'est deux toits distincts même, tu pourras même porter d'un autre. Mais il y a une seule condition, qu'il n'y ait pas un dénivelé de plus que 10 stéphars d'un toit à l'autre. Là, Rabbi Meir, c'est un sujet complètement différent qu'il a. À savoir, une notion qu'on avait déjà évoquée, que vous savez, dans le Rishut Rabim, on a déjà fait pris l'exemple. Une mezouza, vous marchez dans la rue du Tarabim, vous trouvez une mezouza par terre, vous avez mal au cœur, vous avez envie de la ramasser et de la poser sur un poteau qui a une largeur de 40 cm sur 40 cm et qui hausse de 10 tefards. Je vous dis, ne le faites surtout pas. Parce que votre bon cœur d'avoir de la peine devant une mezouza que j'ai par terre va faire que vous allez transgresser un interdit de Shabbat ou un chiouf karet. Parce que la voie publique, c'est la voie publique. Le petit poteau, puisqu'il est haut de 10 tefards, s'il est haut de 10 tefards avec une largeur de 40 cm, de 4 tefards sur 4 tefards, lui, c'est un domaine privé, vous allez prendre du domaine public au domaine privé. Ça, c'est un interdit midéoraita. Si c'est un vrai, je suis tarabim. Après, on aura la question, est-ce que c'est un vrai, je suis tarabim? Là, n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, à cause de cette situation où finalement, bêtement, on peut, par manque d'attention, manque de réaliser l'ampleur du sujet, on manque de percevoir qu'un dénivelé de 10 tefards avec une largeur de 4 sur 4 fait que c'est un domaine distinct. Du coup, Rabbi Meir, il a interdit, il a dit un décret spécial. Tu ne portes pas, c'est une règle générale, dès qu'il y a un domaine privé, même qui appartient à une personne, mais qui a deux fonctions différentes, dès qu'il y a un dénivelé entre les deux, tu ne pourras plus porter d'un à l'autre. C'est un décret spécial qu'elle fait Rabbi Meir, comme ça les gens, ça va leur rentrer dans la tête qu'on ne porte pas, on ne pose pas quelque chose sur quelque chose, on pose pas quelque chose sur un poteau qui a 10 tefards de haut. D'accord? Donc du coup, selon ce principe maintenant, tous les toits, ils ont certes le même statut ilchatique, qu'ils sont tous définis comme un seul grand domaine, puisque c'est pas vraiment habité, c'est pas une maison. Donc du coup, on peut porter d'une à l'autre. Après, on précisera davantage quoi exactement porter, ce sera la fin de la Mishnah. Mais tu peux porter une. Mais attention, à condition qu'il n'y ait pas un dénivelé. Dès qu'il va y avoir un dénivelé de 10 tefards dans l'autre, alors Rachamim, on fait un décret. Selon Rabbi Meir, Rachamim, on fait un décret qu'on ne peut pas porter dans l'autre. Du coup, selon Rabbi Meir, imaginez vous avez une seule grande propriété, votre toit, et vous voulez faire passer quelque chose du toit dans la cour. Selon Rabbi Meir, ce sera interdit. Même si c'est votre cour et c'est votre toit, vous n'aurez pas le droit de porter dans l'autre. Ok? C'est clair, selon Rabbi Meir, parce que. Tu ne portes pas d'un reshoot haut de 10 tefards à l'autre. Et maintenant, on arrive sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est le plus permissif sur toute l'histoire. Pour bien comprendre Rabbi Shimon, d'abord, premièrement, Rabbi Shimon, il va permettre de porter d'un toit à une cour. Ce qu'il interdit Rabbi Shimon, c'est de porter d'une maison qui est très privée à un toit, faire sortir les objets. Mais les objets qui sont déjà sur le toit, tu peux les prendre, tu peux les mettre dans une... Tu peux les faire passer sur un autre toit, qui a un autre dénivelé, tu peux les mettre, tu peux les envoyer dans la cour, mais même mieux que ça, même dans un carpaf. Alors carpaf, c'est l'histoire avec les carpifotes, c'est un enclos fermé qui n'a aucune fonction d'habitation. Soit, dès que je prends
Alors, c'est l'histoire, on l'a déjà évoqué avec Carpaf et Termibet Satayim, quelque chose qui a une largeur de plus grande que 2 CA de longueur. Une cour qui peut faire 50 sur 3. Peu importe, Rabbi Shimon, il vient, mais tu sais, un endroit, un enclos qui est fermé et qui n'est pas considéré, qui a ni un statut alachiquement, ni un statut de cour, ni un statut de domaine privé, et que jusqu'à Bet Satayim, tu as le droit de porter à l'intérieur de lui. Plus que Bet Satayim, tu n'as plus le droit de porter parce que. C'est le fait que ce soit fermé, mais c'est fermé, mais sans habitation, c'est considéré un petit peu comme un Reshut Arabim. C'est un domaine comme ça, qui est complètement sauvage, qui a pas de fonction. D'accord? C'est la définition du Karpaf. Rabbi Shimon te dit, tu sais, par rapport à cette halakha-là, les objets qui sont sur le toit, tu peux les faire passer dans la cour, tu peux les faire passer dans le Karpaf, tu peux les faire dans tous les enclos. Tant que tu restes dans un domaine que halakhiquement il est considéré comme un domaine privé parce qu'il est enfermé par des murs. Eh bien, tu pourras porter d'un à l'autre comme tu veux, tant que c'est pas une maison. Par contre, les objets qui sont dans une maison, tu n'auras pas le droit de les faire sortir dans le chatser. C'est ce que le Mishnah me dit ensuite. Je reprends la Rabbi Shimon Omer. Echad gagot, vechad chatserot, vechad karpifot. Qu'il s'agisse des toits, qu'il s'agisse des cours, ou qu'il s'agisse des karpifot, qui sont ces enclos fermés mais qui n'ont pas aucune fonction, qui servent à rien presque. Eh bien, malgré tout, sache que Reshut Achat, ils sont considérés comme un seul grand domaine, tout cela, mais attention. Les Kelim Sheshavtu les Tochan. Ils sont considérés comme un même domaine pour les objets qui étaient Shabbat dedans. Mais pas Velo les Kelim Sheshavtu les Tochan, mais pas pour les ustensiles qui étaient dans la maison. Soit, j'explique un petit peu mieux, et c'est une notion qu'on a déjà évoquée. Je vais vous l'illustrer, Rabbi Shimon. J'ai ma cage d'escalier de mon immeuble. Lorsque je sors de chez moi, j'ai une allée. Lorsque je sors de l'allée, je quitte l'allée, après je suis sorti du complexe de toutes les entrées de mon grand immeuble où j'habite, je suis encore dans une allée maintenant beaucoup plus large qui est fréquentée par plus de monde. Tous ces petits domaines-là, il y en a un qui sera considéré comme un khatser, l'autre il serait considéré comme un karpaf. Il peut y avoir des domaines halakhiquement qui sont définis différemment. Selon Rabbi Shimon, tout ça, c'est considéré comme un seul grand domaine. Il s'avère que les objets qui étaient déjà dans un endroit, par exemple, la poussette, imaginez la poussette de mon bébé, on l'a laissée dans la cage d'escalier en bas. J'aurais le droit de la prendre pendant Shabbat même sans hérouve. Même si on n'a pas fait de hérouve. J'ai le droit de prendre la poussette qui est dans la cage d'escalier, de la sortir dans l'allée, d'aller me promener avec dans tout le quartier. Il est considéré comme un grand karpaf. Ou plutôt, il est considéré plutôt comme un grand khatser, puisqu'on a mis, il y a des barrières, on est enfermé. D'accord? On a fait la tsourat à Pétar, il y a des murs, j'habite en montagne à Jérusalem, donc du coup c'est plus facile de faire. Tout le grand quartier, il est enfermé. Si ma poussette, elle est restée, même si on n'a pas fait de roof dans le quartier, si ma poussette, elle était dans la cage d'escalier, j'ai le droit de la sortir dans l'allée. Parce que tout ça, c'est un seul, tout ça, c'est considéré comme un seul grand domaine. Même si finalement, ma cage d'escalier, c'est très personnel à nous qui habitons dans cette entrée. Par rapport à l'allée qui est concernée par tout le Binyan, et par rapport à l'allée plus générale qui est concernée par tout le quartier. Ben non, puisque, selon Rabbi Shimon, tous les chasserot, tu peux porter dans l'autre. Mais par contre, la poussette que j'ai laissée dans mon salon, même si j'ai fait un hérouve avec mes voisins de l'immeuble, que j'ai le droit de sortir dans la cage d'escalier. J'aurais le droit de sortir ma poussette dans la cage d'escalier, mais j'aurais plus le droit de la sortir dans la cage d'escalier jusqu'à dans l'allée si on n'a pas fait le hérouve. C'est ce que la Michelle est venue me dire exactement. Que tous ces endroits-là qui sont publics, mais qui sont plus tellement personnels, eh bien, ils sont considérés comme un seul grand domaine, mais que pour les ustensiles qui étaient dedans. Mais pas pour les ustensiles, les objets qui étaient dans mon domaine privé et que je veux sortir dans la cour. Même si je veux sortir dans la cour où j'ai fait un hérouve, par exemple dans la cage d'escalier, on a fait un hérouve pour pouvoir porter d'un voisin à l'autre. D'accord? Et donc j'avais le droit de les amener. J'ai le droit de les amener dans la cour, mais j'ai plus le droit ensuite de les sortir de la cour dans l'allée si j'ai pas fait un hérouve dans l'allée. C'est pour ça qu'il faut ensuite faire un hérouve dans l'allée, que ce soit hérouve chatserot ou chitoufé mevorot, chacun selon sa définition. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, Kol, Touv, Sela.